que ce soit dans le domaine Horeca ou dans d'autres domaines. Donc c'est certainement une des priorités pour le CDH pour demain, c'est de favoriser la formation en alternance. Puisque ce sont des métiers en pénurie, moi je pense qu'il faut un système de primes, de bourses qui orientent les étudiants vers les métiers en pénurie et notamment vers les métiers de l'Horeca, puisque nous en avons besoin. On sait que beaucoup de places restent vacantes dans le secteur Horeca, et donc c'est clair, il doit y avoir une impulsion supplémentaire. Il doit avoir plus de formation en alternance et plus effectivement de passerelles pour des personnes qui ont atteint un certain niveau vers une formation de type universitaire ou de type haute école. C'est très important. Soit il doit être subsidié directement, soit les étudiants qui s'adressent à ce centre doivent pouvoir recevoir de nouveau un système de bourse pour pouvoir effectivement suivre des formations qui alors deviendraient payantes dans ce centre. Mais c'est clair, je crois qu'il est vraiment très important à l'avenir qu'on ait une politique très claire par rapport aux métiers en pénurie. On sait que ça devient un enjeu très important. Bon, d'une certaine manière, il y a derrière cela une bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la création d'emplois, c'est qu'il y a de la créativité, c'est que finalement, on a des métiers qui existent en réalité, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, bah, tiens, il n'y a plus d'emplois pour les jeunes. Non, il y en a, simplement les jeunes ne s'orientent pas suffisamment vers ces emplois, pour des raisons à la fois de peut-être de manque de formation, de manque de connaissance des métiers en pénurie, et puis peut-être aussi, on pourra en reparler parfois, de manque d'attractivité à l'égard de ces métiers en pénurie. Et donc tout cela est important. Il y a à la fois l'image qu'on donne sur ces métiers et aussi l'attractivité à travers les salaires, à travers d'autres formes d'attractivité sur lesquelles on doit travailler. Notre proposition pour le gouvernement prochain, c'est d'injecter 1 milliard d'euros sur les bas salaires en termes de diminution des charges patronales, des charges des travailleurs et également en matière fiscale pour effectivement diminuer la fiscalité sur le travail sur les bas salaires. Je vais vous donner un exemple sur un salaire qui serait de 2 500 € brut par mois. Eh bien avec notre proposition qu'on a soumise au bureau du plan, il y aurait un gain pour le travailleur de 100 € net par mois, avec en plus une diminution des charges patronales pour le patron. Donc à travers cet exercice, nous avons fait fonctionner nos ordinateurs et on a démontré qu'on pouvait créer au moins 28 000 emplois à travers cette injection d'un milliard sur les bas salaires, en diminuant et la fiscalité et les charges patronales et les charges sur les salariés. Ce sera bien plus rentable, ce sera bien plus efficace que le tax shift qui a porté sur tous les salaires aujourd'hui et qui finalement a créé très très peu d'emplois. On l'a vu, la Belgique n'a pas réussi à créer plus d'emplois que les Pays-Bas, que la France, que l'Allemagne, que tous les pays qui nous entourent. Je pense qu'il faudra simplifier véritablement la bureaucratie qui pèse sur le secteur Horeca, avoir une espèce de guichet unique, une forme de guichet unique où les patrons du secteur Horeca puissent effectivement avoir toutes les questions administratives qui soient résolues dans ce guichet unique. Donc diminuer la bureaucratie, c'est très important. On doit faire en sorte aussi que quand ils travaillent à temps partiel, et c'est le cas pour plus de la moitié des travailleurs dans le secteur Horeca, ils puissent avoir cette allocation de garantie de revenus. C'est une allocation qui avait été créée par la ministre de l'Emploi, Joëlle Milquet, il y a quelques années, pour aussi pouvoir concilier vie de famille et travail. Malheureusement, le gouvernement précédent a diminué de moitié cette allocation de garantie de revenus et l'a supprimée au bout de 2 ans. Je pense qu'ici, il faut la revaloriser, il faut faire en sorte qu'effectivement, des personnes qui puissent travailler dans l'Horeca à temps partiel eh bien, puissent effectivement être certains qu'ils auront quand même un salaire décent. L'autre élément également, c'est qu'effectivement, il faudra, entre travailleurs et employeurs, vérifier comment on peut aménager le temps de travail. On sait que maintenant, les personnes, les jeunes, sont souciés aussi de garder une certaine qualité de vie. Là, je pense qu'on doit aussi pouvoir faire en sorte qu'il y ait un meilleur aménagement. Et on a parlé aussi de l'évolution de la carrière. Je pense qu'il faut que les jeunes se disent que s'ils sont dans l'Horeca, ils ne seront pas nécessairement en salle pendant 30 ans. Ils peuvent éventuellement, parce que ça peut être adéquat pour eux, mais ils peuvent progresser, ils peuvent avoir des formations en alternance, ils peuvent à un moment donné se dire, ben tiens, un jour je serai mon propre patron, ou un jour j'aurai une fonction exécutive dans un grand restaurant, voilà, qu'ils puissent se dire, c'est une vraie carrière en fait. On est en Belgique, on a des traditions en Belgique, qui est que d'abord cette discussion elle doit avoir lieu dans la concertation sociale entre travailleurs et employeurs. Moi, je crois qu'il faut d'abord essayer de voir là ce qu'on peut faire et avoir une discussion sérieuse entre les employeurs et les travailleurs pour montrer, et les syndicats donc, pour montrer
qu'on n'a pas intérêt à rester figé sur cette question-là, qu'on peut peut-être avoir des choses qui sont meilleures à la fois pour les travailleurs et pour les employeurs dans une discussion intelligente sur ce qu'on doit pouvoir accepter comme acquis social, ou ce qui n'est plus pertinent, ou ce qui éventuellement est une gêne à l'emploi. Pour les petites et les micro-entreprises, c'est un vrai problème. Et donc nous n'avons pas de tabou sur cette question-là. Je pense qu'il faut ouvrir le débat sur cette période d'un mois, peut-être la réduire pour les micro-entreprises, là où quand on est à 3, 4 à travailler, ou tout à coup un travailleur est en maladie pendant un mois, ça pèse terriblement évidemment sur l'entreprise. Et je pense que là, il faudrait avoir une discussion là-dessus pour effectivement éviter qu'à ce moment-là, l'entreprise soit tellement fragilisée qu'à un moment donné, elle doive éventuellement cesser son activité. Je pense qu'il faut avoir, sur les micro et les toutes petites entreprises, évidemment une réflexion sur ce délai pendant lequel la charge du travailleur malade est à la charge de l'entreprise. Je pense qu'on ne peut pas supprimer complètement salariane, mais vous avez raison, je crois qu'on pourrait dédier une partie du chèque repas à un retour dans les établissements de l'ORECA. Moi, je crois, bon, évidemment, il faudra une discussion là-dessus, mais en tout cas, de notre côté, ça nous semble être une bonne idée. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire, comme en France, c'est d'avoir de l'eau en carafe aussi sur nos tables en Belgique? On a de l'excellente eau de distribution. Et c'est un argument qui, pour certaines petites bourses, est quand même assez attractif. C'est-à-dire que, bon, ils ont parfois tout juste de quoi se payer un petit repas. Mais c'est vrai que l'idée de payer parfois l'eau en plus, c'est compliqué pour eux. Donc moi, je crois qu'il pourrait y avoir une espèce de deal là-dedans, où on essaierait d'un côté de diminuer la TVA sur l'eau, mais pourquoi pas aussi de favoriser l'eau en carafe, je dirais comme produit d'attraction, finalement, pour faire venir aussi plus de gens dans le système horeca. La coordination des chantiers, c'est vrai que c'est épouvantable. Je pense qu'il y a eu un effort qui a été fait par le gouvernement bruxellois, au moins un début d'effort, mais c'est vrai que ça reste, on a l'impression que c'est une espèce de manie bruxelloise, on a l'impression que la ville est ouverte en permanence, partout, tout le temps, que chacun aime faire son petit trou pour aller mettre son petit calme, donc c'est insupportable, et donc il faut effectivement beaucoup mieux coordonner cela. Deux, c'est l'emprise sur l'espace public. Je pense que les chantiers ont beaucoup trop tendance à se dire, bah, tiens, je vais avoir besoin de la rue, je vais avoir besoin de tel espace, etc. Il faut apprendre aux entrepreneurs de chantier à mettre l'essentiel de leur chantier, si possible, en dehors de l'espace public. Parfois, ce n'est pas possible, mais moi, je suis souvent frappé de voir à quel point l'emprise sur l'espace public est importante. Trois, la durée du chantier. Alors là, enfin, il y a des pénalités beaucoup plus importantes qu'auparavant par rapport à des chantiers qui traînent. Je pense que dans l'adjudication, cette idée du délai d'exécution d'un chantier doit être extrêmement présente. Et quatre, ça vient d'être adopté par le gouvernement bruxellois, je m'en réjouis, c'est qu'il y a un système de compensation maintenant pour les commerçants qui se mettent en place, et donc ça, effectivement, ça me semble indispensable. Il y a une série de choses qui sont mises en place, mais on peut encore faire beaucoup mieux.